Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ?» Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? » « Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le chant d'entrée déjà, comme je le soulignais tout à l'heure, nous invitait à être dans la joie. Le texte d'ouverture qui a été remplacé par le chant est un passage de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Et en latin, ça a commencé avec le mot gaudete. Gaudere, un verbe qui signifie se réjouir. Et autrefois, on appelait ce troisième dimanche de l'Avent le dimanche gaudete. De même qu'au milieu du carême, il y a aussi un dimanche de la joie, le dimanche letare. Ça veut dire la même chose. Donc, nous sommes appelés à la joie. Nous avons entendu aussi, dans la deuxième lecture, là c'est toujours saint Paul, cette fois-ci aux Thessaloniciens, on voit que c'est une réalité qui lui était bien présente, « Frères, soyez toujours dans la joie. » Et il ajoute, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Soyez toujours dans la joie. » Alors, nous pouvons peut-être nous demander, mais cette invitation de l'Église à être dans la joie ne serait-elle pas aujourd'hui indécente? Quand nous regardons l'actualité, nous y trouvons en effet beaucoup de motifs de nous attrister, de nous lamenter, de souhaiter que cela change. Et l'Église semble, je dis semble, complètement désincarnée. Ah, soyez dans la joie, allez, mes sœurs, préparez un cantique de joie pour le début de la messe. Voilà.
Non, ce n'est pas indécent. Parce que cette joie à laquelle nous sommes invités, au milieu, oui, de guerres, au milieu de drames humains terribles, eh bien, cette joie, c'est une joie qui nous est donnée. Une joie qui nous vient d'en haut. Et je crois que les dons de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de les accueillir. Ce n'est pas comme les cadeaux que l'on reçoit à Noël ou à Nouvel An, et qu'aujourd'hui, paraît-il, le soir même ou le lendemain, hein, on essaye de revendre sur Internet. Les cadeaux du Seigneur, non, on ne les refile pas à quelqu'un d'autre parce qu'il ne nous plairait pas. Et cette joie que le Seigneur nous donne, eh bien nous le savons, nous l'avons dit, nous allons le répéter, cette joie, elle est apportée par lui-même. Ce n'est pas un livreur qui nous apporte la joie de Dieu, la joie du ciel, c'est Dieu lui-même, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous apporte la joie. Et dès que la première annonce est faite au berger, nous le méditerons dans 8 jours, eh bien, c'est une annonce de joie. Parce qu'avec lui, c'est le salut qui vient sur la terre. Il vient faire toutes choses nouvelles. Donc, c'est une joie qui n'est pas indécente, mais qui est vraiment légitime. Ce n'est pas la joie de l'indifférence. On va se réjouir et on ne pensera pas aux autres. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la joie du mépris, un peu comme la joie de cet homme riche dont parle Jésus dans une parabole qui banquetait chez lui, qui faisait bonne chère, alors qu'à sa porte, il y avait un pauvre appelé Lazare, qui vivait dans la misère. Non. Joie qui nous est donnée, joie qui est avant tout une joie intérieure, une joie du cœur, et puis surtout, une joie qui n'est pas seulement pour nous. C'est une joie que nous sommes appelés à distribuer, à partager autour de nous. Nous avons entendu dans la première lecture du prophète Isaïe, lecture que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, justement, au début de sa vie publique, va reprendre dans la synagogue de Capharnaüm. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles. » Nous sommes joyeux parce que nous accueillons une bonne nouvelle et elle n'est pas seulement pour nous. « Il m'a envoyé annoncer cette bonne nouvelle aux humbles. » Guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Donc, nous voyons bien que cette joie, ce n'est pas une joie égoïste qu'on essaye de garder pour soi, non. C'est une joie qui doit sortir de nos cœurs, qui doit déborder, une joie qui est pour nous et pour les autres. Bien, c'est le premier enseignement que je vous propose de garder de ces lectures du troisième dimanche du temps de l'Avent. Et en lien avec cela, alors, un deuxième enseignement, c'est la figure de Jean-Baptiste qui nous est présentée dans l'Évangile. Et l'introduction suffit à elle-même, elle explique tout. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Et alors on va dire quelle est sa mission. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il rend témoignage à la lumière, et la lumière c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que ainsi tous croient en Jésus, en la mission de Jésus, par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et nous aussi. Nous aussi, comme Jean-Baptiste, nous ne sommes pas la lumière, mais Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Ah,
dans la mesure où nous accueillons celui qui est la lumière du monde, nous aussi, nous sommes lumière du monde. Et nous aussi, nous sommes là pour rendre témoignage à cette lumière qu'est Jésus, afin que tous croient par lui. Donc, nous pouvons retenir, à partir de la figure de Jean, nous pouvons retenir pour nous cet enseignement, à savoir que nous aussi, baptisés, nous sommes envoyés par Dieu. Nous sommes témoins de la lumière, témoins du Christ. Et nous le ferons, eh bien, en apportant la joie. Pas seulement la joie des cadeaux, pas seulement la joie des bons repas que l'on peut préparer à l'occasion de Noël, pas seulement la joie des illuminations du sapin, pas seulement la joie de la jolie crèche, avec des petites rivières, des petits lacs, enfin, tout ça, on connaît, hein. Non, mais une joie pleine d'attention pour les autres, une joie toute empreinte d'amour, de dévouement, de générosité. Une joie qui n'est pas envahissante, qui sait rester discrète, qui sait s'effacer et qui se réjouit de la joie des autres. Donc voilà, en quelques mots, frères et sœurs, deux enseignements que nous pourrions tirer de ces textes, à savoir que cette invitation à la joie qui nous est adressée aujourd'hui par l'Église à travers les textes de saint Paul et puis du prophète Isaïe, cette joie est un don de Dieu. Aussi, n'ayons pas peur de l'accueillir dans nos cœurs et de la distribuer. Un don de Dieu pour nous et pour les autres. Et ainsi, nous serons, comme Jean-Baptiste, des témoins de la lumière qui vient, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je termine en reprenant la prière collecte que j'édite en votre nom à tous au début de cette célébration. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Et vous aurez remarqué que le psaume qui a suivi la première lecture est en réalité le cantique de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Bien que dans ces 8 jours qui précèdent la fête de Noël, la Très Sainte Vierge nous accompagne et que nous, de notre côté aussi, nous sachions l'accompagner pour attendre son Fils et qu'ainsi notre joie soit grande pour notre bonheur, celui de ceux que nous côtoyons. Amen.